Chose n'arrive jamais dans les Hamptons. Si c'est un rôdeur, ce serait bien qu'il le retrouve et qu'il le retrouve vite. Ce serait une histoire de drogue. J'ai cru comprendre qu'elle avait un amant. Moi, on m'a dit que Julien avait. C'est plutôt moche. Il passait ses week-ends ici. Il pouvait courir des heures. Comme s'il se sentait traqué. Il avait une fortune de 80 millions de dollars. Je croyais que c'était 300. Ça m'a fait un drôle de choc. Jamais je n'aurais imaginé ça chez nous. Joli garçon. Et brillant avec ça. Un banquier d'affaires. La RJR Nabisco. C'était à lui, non? Lorsqu'ils se sont rencontrés, il était déjà banquier alors qu'elle travaillait. Dans quoi, déjà? Location d'appartement, tout en bas de l'échelle. Colbert, Crevis, Robert? Oui, Ted Amon, s'il vous plaît. De la part? De la part de Mademoiselle Rand. J'avais rendez-vous pour lui faire visiter un appartement, mais il aurait dû arriver il y a une heure et il n'est toujours pas là. Un instant, s'il vous plaît. Oui, Monsieur Amon a été retenu, mais il est en route. Très bien, il ne me reste qu'à l'attendre. Je vous remercie. Merci, messieurs. Monsieur Amon, Mademoiselle Rand veut vous voir. Ah, écoutez, je... Vous m'avez fait attendre toute une demi-journée. J'ai une question à vous poser. Pourquoi les gens comme vous s'imaginent-ils qu'ils sont au-dessus des lois? Vous ne pouvez pas traiter les gens comme ça, Monsieur Amon. J'ai un travail, moi, j'ai d'autres clients. Je sais, vous avez tout à fait raison, je n'ai aucune excuse. En effet, vous n'avez aucune excuse. Je suis méprisant, égoïste, un rebut de l'humanité. Tout de même, je n'irai pas jusque-là. Bon, je vous écoute. Allez-y. Parlez-moi de l'appartement. Le mieux serait que vous le visitiez. On pourrait voir ça ce soir et après, si vous acceptez, je vous invite à dîner. Generosa, c'est un très joli prénom. Lorsque j'étais enfant, j'aurais tellement préféré m'appeler Suzanne, Debbie ou encore Bill. Mais pas Generosa. C'est vrai que ce n'est pas un prénom court. Sauf en Italie. Vos parents sont italiens? Je n'ai pas connu mon père, mais... À la mort de ma mère, j'avais alors 10 ans, j'ai trouvé un vieil album. J'ai regardé toutes les photos et je suis tombée sur celle d'un jeune marin, un superbe Italien, blond vénitien. Alors j'ai retourné la photo et elle avait écrit son nom au dos. Generoso. C'était facile de deviner ce que ça voulait dire. Qui vous a élevé à la mort de votre mère? Des proches, des familles d'accueil. J'aimerais autant ne pas en parler. Oui, je comprends. Merci. Si on parlait de vous? D'accord. D'accord. Vous avez hérité de votre fortune ou vous avez dû la gagner comme nous autres? Eh bien, vous allez droit au but, vous. On me dit parfois que je suis un peu brusque. Pour vous répondre, tout ce que j'ai, je l'ai gagné. Il est passé de prendre en limousine. Il t'a offert à boire, le restaurant. Il t'envoie des fleurs et il est super mignon. Chérie, ça a l'air trop beau pour être vrai. Je crois qu'il me plaît. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Je parle sérieusement. Il est beau, il a une situation et il est plus humble que la plupart des hommes que j'ai rencontrés. Il n'aurait pas un frère par hasard? Il a une sœur. Hein? Désolée. C'est très réussi. Ne mens pas. Alors, je ne mens pas, je trouve ça génial. Tu n'as jamais exposé ton travail? L'année dernière, j'ai présenté quelques œuvres avec d'autres artistes, mais j'espère pouvoir ouvrir bientôt ma propre galerie.
Et tu as tout fait avec des ordures. Non, ce ne sont pas des ordures. La retrouver, t'as entendu parler? Oui, tu ne te sers que de choses ordinaires. Oui, je n'utilise que des objets trouvés. Tu ne me prends pas au sérieux, avoue. Non, non, tu te trompes. Je te prends très très au sérieux. Je ne suis pas une dilettante. Oui, je sais, je sais. Mais alors, pourquoi vous avez divorcé? Oh, on s'est éloignés l'un de l'autre. On avait des projets différents. Comment elle a pu te laisser partir? On est restés bons amis. Tu la vois toujours? Non, non, je la vois plus. Tu sais, elle est nettement moins marrante que toi. Elle ne serait jamais venue faire un tour de vélo. Hé, hey, vous pouvez pas regarder où vous marchez. Hé, arrêtez. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous croyez? Touchez pas. Vous avez failli la tuer. Ça ne vous regarde pas. Vous ne laisserez pas partir. Qu'est-ce que c'est que cette frappe? Dégage. Tu te rends compte? Un peu je plus, sais, il l'a tué. Je sais, calme-toi, ça va. Ça va, viens, allez, viens, viens. Je t'ai fait peur. Comment? Tu veux dire, tout à l'heure, quand tu t'es engueulé avec le chauffeur de taxi? Oui. Là, j'ai eu un peu peur que vous vous mettiez à vous battre. Parfois, je vois rouge. Je crois que c'est quelque chose que j'ai hérité de ma mère, parce qu'elle était folle. Je ne le suis pas. Je ne suis pas folle. J'ai du mal à supporter que les choses ne soient pas comme elles devraient être. Et je ne me gêne pas pour le faire savoir. Pitié, dis-moi que c'est un trait de caractère que tu trouves séduisant. Eh bien, eh bien, le fait est que je n'ai jamais été si bouleversé de toute mon existence. Des spaghettis. Il fallait y penser. À goûter. Oh, salut. Salut. Comment ça va? Très bien. Matt, Grace, je vous présente ma copine Generosa. Enchantée. C'est donc vous qui avez monopolisé Ted dernièrement? Oh, là là. On a insisté pour qu'elle vous présente, mais il fait plein de mystères. Je sais seulement que vous travaillez dans une agence. Je suis une artiste. Oh. Ouais. Bien. Maintenant qu'on se connaît, on le laissera plus vous garder pour lui tout seul. Venez. Assieds-toi. Merci. Alors, petit cachotier. C'était bien. C'était bien, oui. Je voudrais te dire quelque chose. Vas-y. J'aime pas que tu m'appelles ta copine. Je trouve que c'est un vocabulaire d'étudiant. Alors, tu préfères que je dise mon amoureuse? Comme on dit à la petite école, hein? Ted, je veux savoir où je vais. Si tu veux que je te dise je t'aime, je peux le faire, je t'aime. Non, Ted. S'il te plaît, ma chérie, laisse-moi un peu de temps. Pourquoi? Mais tout se passe bien entre nous, ça pourrait peut-être nous suffire pour l'instant. Où vas-tu? Je croyais que tu venais chez moi ce soir. Écoute, tant que tu ne sauras pas ce que tu veux, Ted, je préfère qu'on ne se voit plus. Je suis désolée. Chérie. Chérie, ne t'en va pas. 83e rue. Generosa, ne fais pas ça. Oh. Tu as de la visite? Qui? Je te laisse le découvrir. Bonjour. Ted. Oh. Une simple bague à cigares m'aurait très bien suffi, tu sais. Je le sais. Après le mariage, elle a emménagé dans son hôtel particulier sur la 5e avenue. Elle a bien sûr refait pas mal de choses. Tout devait être parfait.
Il l'a laissé transformer une de leurs pièces en atelier d'artiste. Elle voulait être une artiste underground, mais ça ne trompait personne. On ne peut pas être à la fois de la haute et underground. Ah, elle a bossé, c'est vraiment décarcassé. Mais personne n'a voulu l'exposer, personne. Je connais du monde, des collectionneurs. Je peux passer des coups de fil. Non, Ted, s'il te plaît, non. Tout le monde le saura et en dira. Bien sûr, elle a du succès, c'est son mari qui le lui offre. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne. Tout le monde a besoin de se faire un peu aider. Tu crois que les Serra, les Schnabel n'ont pas une mécène? Tu ne comprends pas. Si personne ne prend mon travail au sérieux, c'est parce que tu es riche. Oui, mais avec le temps, si tu es doué, et tu l'es, viens ici, ça n'aura plus d'importance. Mon frère avait toujours voulu avoir des enfants. Je ne crois pas que c'était vrai pour Generosa. Elle avait grandi en orphelinat, puis en placement familial. Je crois même qu'elle a été violée. Sa mère était malade mentale. Elle avait peur, je crois, d'avoir des enfants. Mais plus que tout au monde, elle voulait faire le bonheur de Ted. Alors ils ont tout essayé. Vraiment tout essayé. Finalement, ils se sont décidés à adopter. Coquillage. Des jumeaux de 4 ans. Un frère et une sœur d'origine russe. Ah, des enfants adorables. Je ne l'avais jamais vu si heureux. J'ai pris une décision. Je vais quitter mes associés. J'ai envie de passer plus de temps avec toi et avec les enfants. Mon chéri, c'est merveilleux. Je vais monter ma propre affaire avec quelques investisseurs. Ce sera toi le patron? C'est un nouveau défi à relever. Oui. Oui. Ted s'était lancé dans sa nouvelle affaire. Et Generosa, de son côté, avait investi toutes ses ambitions artistiques dans l'agencement de leur nouvelle maison à East Hampton. C'est une propriété magnifique. Et puis Middle Lane est sûrement la route la plus cotée. Steven Spielberg a sa maison pas loin. Jerry Seinfeld aussi. Oh, ils ont bien dû dépenser, je dirais, 5 millions à l'achat et au moins 2 ou 3 millions. Oui, 3 millions pour les rénovations. Et elle avait un excellent goût, ça je lui concède. En fait, de moins travailler, il travaillait bien plus. Il devait s'occuper de ses clients. Je croyais que nous avions dit 16 heures. Je pense que la pression était trop forte. Non, 16 heures. La pression qu'elle se mettait elle-même pour être parfaite, pour contribuer à une vie parfaite avec Ted et les enfants. Je verrai ça avec elle tout à l'heure. Elle se croyait toujours jugée. Entendu. Très bien. Et bien sûr, elle l'était. Bonjour les enfants. Bonjour, bonjour maman. Ça va comme vous voulez? Oui. Qu'est-ce que c'est? Les plans. Faites voir. Avec l'ouverture. Madame Amon, vous verriez un inconvénient à ce que je fasse visiter un client? Vous ne dites pas que c'est vous qui avez dessiné ces rénovations? Que voulez-vous dire? J'ai tout dessiné. Vous, vous avez découpé des photos dans des magazines. Ne le ramassez pas pour lui, il doit apprendre à le faire lui-même. Enfin, excusez-moi, Madame Amon, les tulipes. C'est injuste. Bon, écoutez-moi, si vous répétez que ces rénovations sont de vous, vous êtes viré. Grégory, ramasse ça, s'il te plaît. Les tulipes. Je suis à vous. Ah, je vous ai apporté quelques lots de tulipes de différentes couleurs. À vous de choisir celles qui conviennent le mieux à la maison. Though she loves the sun and the wind shines, there never was a warning, but it just started storming. We were out of time. Comment vas-tu? Je suis content de te voir. Moi aussi. Ah, salut. Comment vas-tu, Jack? Heureux que tu sois venu. Ne laissez pas votre femme, je suis enchantée, madame. Cadmar, l'homme en gris, c'est Charles Green. Je lève mon verre à Ted, qui a eu le courage d'abandonner une situation solide pour élever une petite entreprise jusqu'au rang national. Et moi, toi qui as eu le courage de me suivre. Oh, je t'en prie. Je devrais avoir droit à un toast, moi aussi. C'est moi qui ai organisé cette réception. Et je n'ai pas le sentiment que tu en serais où tu es sans moi. C'est vrai. Derrière chaque grand homme, il y a... une femme formidable. Absolument. Je vous trouve un peu condescendant. C'est rien de le dire. Chérie, sans toi, je n'aurais non seulement pas pu le faire, mais je n'y aurais même pas songé. Tu t'en sors bien, Ted. Bon,
Et comment vous trouvez les fleurs que Jenny Rosa a plantées, hein? Elles sont magnifiques, non? Les tulipes? Ravissantes. Nous sommes dans un océan de rouge. De l'autre côté, quoi? C'est... Qu'est-ce que t'as dit? Elles sont bordeaux, elles sont pas rouges. T'es aveugle? Elles sont bordeaux. Rouge bordeaux. Elles sont bordeaux. C'est proche, c'est presque... Chérie. Je suis désolé. Ah. Jenny Rosa, qu'est-ce que tu fais? J'avais demandé des tulipes bordeaux. J'avais pas demandé des tulipes rouges. Chérie. Pourquoi je peux jamais avoir ce que je demande? Je demande pas grand-chose. Tout ce que je veux, c'est d'avoir ce que j'ai commandé. Chérie, ça va. Ça va. Des rouges. Chérie, je t'en prie. Des bordeaux. Ça va. Viens. Des bordeaux. Allez, viens. Des rouges. Calme-toi. Des bordeaux, viens dans mes bras. Là. Calme-toi. C'est fini. Voilà. Je t'aime, chérie. Ma poupée. Bonjour les enfants. Bonjour papa. Bonjour Alexa. Bonjour Ted. Salut Greg. Tu prends quelque chose? Non, j'ai pas le temps. Ted, dis-moi, ce serait trop te demander de trouver le temps de prendre ton petit déjeuner tous les matins avec tes enfants et ta femme? J'ai un petit déjeuner d'affaires. Oui, tu en as un tous les matins. Tu sais bien que les affaires ignorent l'heure des repas. Tu pourrais décider de prendre ton petit déjeuner avec ta famille. Tu pourrais aussi décider de dîner avec elle de temps en temps. Nous avons dîné ensemble hier soir. Oui, à l'occasion d'une collecte de fonds pour l'hôpital. Je suis avec vous tous les week-ends. Je ne suis pas en train de te parler des Hamptons, Ted. Je te parle du reste de la semaine, du lundi au vendredi. Tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais nous vivons ici. Ta famille vit ici, en ville, avec toi. Si tu ne veux pas rentrer chez toi, c'est autre chose. C'est une toute autre chose. Je ne tiens pas à rentrer chez moi pour vivre ça. C'est ma faute. Tu pourrais être un peu moins agressive avec moi. Agressive. Va donc raconter à tes collègues que ta femme est un vieux dragon qui te harcèle. Vas-y. Finissez de manger. En quelques années, elle avait fait fuir tous leurs amis. Le moindre détail pouvait la faire exploser, sans prévenir. On a fait partie des derniers à rester. Vous auriez dû voir sa tête. Coucou. Jenny Rosa, mais qu'est-ce qu'il y a? Salut. Bonjour. Il est arrivé quelque chose aux enfants? Non, ça va. J'ai besoin d'une excuse pour voir mon mari. Non, bien sûr que non. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu te joins à nous? D'accord. On va un verre? Oui, avec plaisir, merci. Bonjour. Je ne te présente pas Matt, Thomas. Salut. Et voici Lindy Fisher. Enchantée. Comment va Grace? Oh, à merveille. Ah, tant mieux. Transmets-lui mes amitiés. Je n'y manquerai pas. Lindy, c'est ça? Oui. Et vous êtes mariée, Lindy? Non. Non, je ne le suis pas. Ted Lay. Avec moi. Hein? Mon chéri. Oui. Tu m'as manqué. Comment peux-tu me ridiculiser comme ça? Comment peux-tu te ridiculiser comme ça? Désolée de t'avoir cassé la baraque. Ce n'était pas une baraque. Nous étions en train de négocier un marché, un très gros marché. Oh, tu ne négocies que de très gros marchés, non? Je ne te le fais pas dire. Ils te payent cette maison, celle de East Hampton, la voiture, même l'éducation des enfants, les vacances, tout le style de vie auquel tu es habitué. Tu entends, j'en ai rien à faire de ton argent. Ça n'est pas ce que j'ai voulu dire. Tu sais que ça n'est pas ce que j'ai voulu dire. Tu le sais. Chérie, il faut que tu ailles voir un docteur. Ça n'est pas un comportement normal. Tu veux dire que je suis folle? Ça n'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est ce que tu penses. Arrête, s'il te plaît. Quoi que je dise ou quoi que je fasse, ça ne va pas. Je n'arrive même plus à savoir ce que tu veux. Je ne veux qu'une chose, Ted. Une seule et simple chose. Je veux que tu m'aimes, c'est tout. Pour l'amour du ciel, enfin, chérie, je t'aime, voyons, tu le sais bien. Tu le sais que je t'aime. Mais ça n'est pas suffisant.
J'ai l'impression que ce ne sera jamais suffisant. Ted. Assieds-toi, écoute. Le problème n'est pas entre nous. On pourrait prendre une semaine tous les deux quelque part loin de New York sans les enfants. Rien que toi et moi. D'accord? Oh, mon chéri, je suis désolée. Tout droit sorti d'un conte de fées. Oh, je voudrais que les enfants le voient. Enfin, le domaine est superbe. C'est magnifique. 9 hectares, un jardin à la française, un bassin. Il disait qu'il partait en Angleterre pour la santé des enfants. Je n'y ai pas cru. D'ailleurs, personne n'y a cru. De toute évidence, c'était une dernière tentative pour sauver leur mariage. Mais les enfants y étaient heureux. Madame Amon m'a recrutée parmi une vingtaine de postulantes. Elle m'a fait venir de Londres pour m'occuper de Covenwood Manor. Je suis fière de dire qu'elle et moi étions en parfait accord sur la façon dont une maison doit être tenue. Jenny et Rosa et les enfants s'étaient installés en Angleterre, obligeant Ted à prendre l'avion presque tous les jours pour travailler à New York. Ce que madame aurait voulu, c'est qu'ils vivent à plein temps au manoir avec eux. Je me demande comment. Il faut du temps pour fermer une affaire comme la mienne, Jenny Rosa. Il ne suffit pas de mettre la clé sous la porte et de s'en aller. Kay? Oui. Accompagnez les enfants dehors. Venez. J'ai quelque chose à te montrer. Fais surveiller, c'est ça? C'est écœurant. Écœurant, oui. Qu'est-ce que ça prouve? Que je la vois pour le travail? Que j'ai pris un déjeuner avec elle? Tu peux m'expliquer celle-là? C'est une photo de Lindy avec son bébé? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est justement ce que je veux que tu me dises, que ça a à voir avec toi. Tu es malade. Où tu vas? Je rentre à New York. Ah, c'est ça! Retourne la voir! Retourne auprès de ta putain et de ton bébé! Et avant de partir, tu ne veux pas l'expliquer à tes autres enfants? Je serais vraiment, vraiment très étonné que l'enfant soit de lui. Cette histoire, c'est elle qui l'a inventée de toutes pièces. À Londres. Pourquoi? Parce qu'on s'est disputé et que je veux savoir quels sont mes droits. Tes droits? Ça n'est pas les droits. Très bien, j'ai compris. N'espère plus que j'accorde un quelconque crédit à tout ce que tu me diras. Je ne fais que te dire la vérité. Mais je ne vois pas comment on peut vivre ainsi. Je ne vois pas comment on peut vivre ainsi. Je crois qu'elle avait décidé que si Ted devait la quitter, ce serait seulement aux conditions qu'elle lui imposerait. Elle est revenue à New York. Elle s'est installée dans un hôtel 5 étoiles avec les enfants. Et elle est allée tout droit chez un avocat. Je m'en occupe, madame. C'était pas très joli. Non, c'était la guerre. Elle a trouvé un appartement dans la 87e Est. Elle demande 9 millions. Très bien. Ce n'est pas tout.
Elle veut 1 million de plus pour les rénovations et tant que ce ne sera pas prêt, elle veut rester au Clifton avec les enfants et la gouvernante. Combien ça va coûter? Sa suite à elle seule coûte 1 500 $ la nuit. Donnez-les lui. Monsieur Pelosi? Ah, vous êtes Madame Amon? Oui, bonjour. Enchantée. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Oh, il n'y a pas de mal. J'ai pris une bière. Très bien. S'il vous plaît, un cosmopolitain, je vous prie. Je suis à vous. J'ai failli passer la nuit ici, dans cet hôtel, avec ma femme. Ah. On devait y fêter notre anniversaire de mariage, mais ça s'est pas fait. Ah. En fait, on est séparés maintenant. Ah. On s'est mariés à 18 ans. C'est pas très mal, je sais. Ceci dit, j'ai 3 beaux enfants. Vous avez des enfants? Oui, 2. Oh, merci. Vous mettrez les boissons sur mon compte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites? C'est pour moi. Merci. Je vous en prie. On ne croirait pas que vous avez 2 enfants. Merci. Mais je vous en prie. Si on parlait rénovation, vous voulez bien? Vous conservez l'entrée telle qu'elle est? Oui, ça, on ne change pas. Vous savez si les canalisations sont en cuivre? Aucune idée. D'accord, je vérifierai. Ouh, mais ça date pas d'hier. Ça, non. Faudra sans doute refaire l'électricité aussi. Voilà comment je vois les choses. Je veux qu'on abatte ce mur-là pour ne faire qu'une seule grande pièce. Ouais, mais il va y avoir du boulot pour tout remettre aux normes. Voyons voir. Vous avez un beau parquet. Je ne veux pas le garder, vous enlèverez tout. Le parquet? Oui, le parquet. Ah, bon, bah, faut que ce soit fait pour quand? Je ne sais pas, vous de me dire. L'argent n'est pas un problème. Il propose une somme en un versement unique et l'appartement. Quel montant? 10 millions. Très drôle. Sur à quoi il ajoute une pension alimentaire? Elle veut 2,5 millions de pension alimentaire par an, plus la moitié de votre fortune. Je l'estime à au moins 300 millions. 50, selon lui. C'est un menteur. 180 000 $ par mois pour les dépenses quotidiennes. Ça, c'est pour New York. Elle veut 100 000 de plus pour l'entretien du manoir en Angleterre qu'elle veut conserver, ainsi que l'ensemble des biens immobiliers. Donnez-lui tout ce qu'elle demande. Je veux pouvoir voir les enfants et je veux conserver les Hamptons. C'est tout ce qui compte pour moi. Hello. Hein? Bonjour. Bonjour. Ça va? Quoi? Oui, vous avez l'heure, s'il vous plaît. Il est 8 heures passées. Faudrait que je me trouve un réveil. Attendez, là. Vous avez passé la nuit dans la voiture? J'ai une brosse à dents, des fringues propres, et c'est parti. Vous voulez me faire marcher? C'est ce qu'il y a de plus simple, depuis que ma femme m'a mis dehors. Oh. Et ça m'évite de faire tout le trajet tous les jours. Vous savez, les gens qui travaillent pour moi ne dorment pas dans leur voiture. Que diriez-vous d'une chambre à mon hôtel? Je vais avoir du mal à refuser. Maman? Maman? T'es là? Maman? Chut. Bonjour les enfants. Écoutez, je suis un peu fatiguée ce matin. Vous pourriez prendre votre petit déjeuner au bar de l'hôtel? Oui, on y va. À tout à l'heure. Salut maman. Bye. Bye. Écoutez, je suis qu'une fille de Long Island. Je vois pas comment j'aurais pu l'emporter. Après avoir été mariée si longtemps, c'était la plus belle chose qui pouvait lui arriver. Que cette poupée aussi sophistiquée puisse avoir envie de lui. Mon petit Danny. Oui. C'est quoi cette histoire avec les toilettes là-haut? Tu veux en faire une salle de bain, c'est ça? Une station thermale. Ouais, on l'a construit pour elle, la station thermale, ou pour toi? On se fait faire du sur-mesure. Ça fait quoi de tomber sur une affaire aussi juteuse? C'est bon, ça va, vous êtes bien content de l'avoir ce boulot. Alors arrêtez de vous plaindre. Taisez-vous et remettez-vous au travail. Tu joues à un jeu dangereux, Danny. Comment ça? À jouer les chefs. Elle te jette, on perd tous notre boulot. Non, personne se fera jeter. Tu te trompes sur elle, elle est vraiment bien. Et puis, elle a jamais autant pris son pied de toute sa vie. Moi, je te dis qu'elle a pas envie de se séparer de son serviteur. Alors, c'est ça, le nouveau sol? Oui. Oui. Alors? Superbe, non? 100 000 $ de marbre d'importation. Je n'en veux pas. Vous aimez pas? Si, j'aime. Je n'en veux pas. On va remettre du chêne. Wow. Vous voulez qu'on enlève le marbre et qu'on remette du parquet? Mm-hmm. Generosa, Madame Amon.
Ça fait beaucoup d'argent jeté dans les toilettes. Ce n'est pas mon argent. Bon. Messieurs, ils se sont mis en couple très vite. Elle lui offrait un monde dont ils ne connaissaient pas l'existence. Sûr. Les déjeuners mondains, les virées en limousine, les places d'honneur au cabaret. Quand Ted a découvert qu'elle avait un ami, il en a été ravi. Pour lui, ça a été un vrai soulagement. Il pensait qu'elle tournerait la page, qu'elle... Il venait presque tous les soirs. Il m'a laissé $100 de pourboire une fois. Je l'ai entendu se vanter à plusieurs reprises qu'il connaissait des gens de la mafia. Est-ce que je voudrais voir la tête qu'il tire? Voir la tête qu'il tire ce salaud chaque fois qu'il va me signer un chèque. Tu sais ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lui prendre tout ce qu'il a. Qu'est-ce que vous regardez? Hein? Vous croyez que je sais pas qui vous envoie? Hein? Laisse tomber mon trésor. Vous voyez que je sais pas que c'est mon mari qui vous envoie. C'est pas grave. Attention. Excuse-moi. Vous lui direz que je lui souhaite d'aller en enfer. Allez, c'est bon. On s'en va. Oubliez, viens. Je sais qui vous êtes. Avec mes remerciements pour le divertissement. Bonne soirée, monsieur dame. De... Excusez-moi, monsieur. Puis-je vous être utile en quoi que ce soit? Non, ça va aller. Merci, j'attends mes enfants. Je devais les retrouver ici il y a une heure. Je vois. Et vos enfants résident à l'hôtel? Oui, c'est ça. Et quel numéro de chambre? Je peux peut-être les appeler pour vous. J'ai déjà essayé, je vous remercie. Ah, j'espère que vous n'aurez plus à attendre trop longtemps. Comment se fait-il que vous lui parliez? Je ne devrais même pas attendre ici. Il devrait attendre dehors. Bien. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Rien. Vous n'étiez pas en train de lui parler? Je suis désolé. J'en ai pas encore fini avec vous. On y va. Je veux savoir quand tu me ramènes mes enfants. Hé, réponds-moi quand je te parle. Quand tu me ramènes mes enfants? Dimanche à 5h, comme d'habitude. Dimanche. Et tu les auras à 5h. Avec ça, je suis même pas obligée de te les laisser. Je peux aller voir un juge et obtenir que tu me les ramènes dans 20 minutes. Allez, viens, mon chéri. Papa, non. On devrait peut-être rester avec maman ce week-end. Non, c'est notre week-end. Tu viens. Lâche-les. Pas ça à tes enfants. Enfants. Parce que t'as pensé aux enfants, toi, quand t'as bousillé notre foyer. T'as pensé aux enfants, quand t'as fléchi en l'air notre fils. Lâche-moi. Sortez de la voiture, les enfants. Sortez de la voiture. Au secours. Appelez la police. Il enlève mes enfants. Appelez la police. Il enlève mes enfants. Taxi. Le week-end de Pâques, j'étais allée voir mon frère à New York. Il se faisait une joie de passer les fêtes avec les enfants à East Hampton. Il avait caché des œufs dans toute la propriété. Quand je les ai vus, je me suis dit... Mais qu'est-ce qu'elle leur a fait? On veut pas aller aux Hamptons. C'est la maison de maman, pas la tienne. Tu n'as plus rien à y faire dans cette maison maintenant. Les enfants, s'il vous plaît. Maman dit que tu devrais lui donner tout ton argent et que tu peux en gagner plus. Et même que tu triches en affaires et que c'est pour ça que t'es si riche. Elle nous a dit que tu as une maîtresse cachée et un fils de 2 ans. Et aussi que tu nous espionnes avec des caméras. Elle nous a montré l'antenne satellite sur le toit du musée. Tu t'en sers pour nous espionner. Les enfants, ce qu'elle vous a dit est faux. J'en suis désolé, mais votre mère n'a fait que vous mentir à mon sujet. Non, c'est la vérité. Pourquoi elle nous mentirait? Très bien. J'étais déconcertée, mais Ted a très bien réagi. Il ne s'est jamais laissé démonter. Il les a emmenés au Knickerbocker Museum. Cet équipement satellite reçoit des signaux de télévision, parfois proches, parfois très éloignés. C'est un peu comme votre télé par câble, sauf qu'il n'y a pas de câble. Regarde, ce système te permettra de surveiller Ted d'où que tu sois en ville. Toutes les caméras seront reliées à cet ordinateur portable. Ça ne marchera jamais. Il va voir les caméras. Non, aucun risque. Elles seront cachées par des détecteurs de mouvement. Il suffisait d'y penser. Viens, je vais te montrer l'installation. C'est une technologie très puissante. Mais s'il y a bien une chose qu'elle ne peut pas faire, c'est écouter les gens, les observer ou les espionner. Ce n'est pas conçu pour ça. C'est ici que toute l'information arrivera et sera centralisée. Avec tout le fric que vous avez, je me demande comment vous avez pu vivre sans vidéosurveillance. Oui, il aurait déjà fallu que je le convainque de fermer les portes à clé. Il n'y a pas de caméra et il n'y a pas de micro. Merci, Eric. Vous me croyez maintenant ?
Je ne vous mentirai jamais, les enfants. Allez, viens. Viens, toi aussi. Il y a des super options. S'il te plaît, je te montrerai tout à l'heure. Salut, maman. Il faut que tu fasses le tour des menus. Oui, attends, vous êtes enfin décidé à rentrer? Pourquoi tu dis ça? Papa nous a ramenés à l'heure pile. Ah oui. Je n'ai aucune envie de vous voir ni l'un ni l'autre. Disparaissez dans vos chambres. J'ai dit allez dans vos chambres. On n'a rien fait de mal, c'est pas juste. Vous avez passé le week-end avec cet homme. Et vous voudriez que je fasse comme si de rien n'était? Qu'est-ce que c'est? C'est papa qui nous les a donnés, pour qu'on puisse lui téléphoner. Oui, mais je sais pas si on va s'en servir. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il essaie de faire? On ne vous a rien dit sur les téléphones portables? Pourquoi? Ils sont cancérigènes, Alexa. Quand on s'en sert, on attrape le cancer du cerveau. Donnez-les-moi tous les deux. Elle aussi vit pour ainsi dire à temps complet à l'hôtel avec vos enfants. Il a un casier judiciaire qui remonte au début des années 80. Agression, refus d'obtempérer, rébellion. Délit de fuite après un accident. Il y a 6 ans de ça, il a été blessé sur son lieu de travail et a poursuivi son employeur. C'est l'évaluation psychologique. Trouble grave de la personnalité. Tendance antisociale prononcée, personnalité fortement disposée à l'agressivité, consommation de drogue et d'alcool. Il faut que j'éloigne cet homme de mes enfants. Le petit déjeuner pour elle, les enfants, la gouvernante, plus son petit ami. Et ça nous fait une facture de $500. $500 pour un petit déjeuner. Et vous avez vu ça, là? Regardez. Une facture de $30,000 pour une voiture tout-terrain au titre de la rénovation. Pas pour elle, pour Pelosi. Franchement, elle me demande même de lui payer ses couronnes dentaires. Et toutes ces notes d'hôtel, hein? C'est quoi, toutes ces chambres supplémentaires, là? Pelosi. C'est pas vrai, ça. Il en fait quoi, toutes ces chambres? Des gens de sa famille ont souvent logé au Clifton. Nos enfants, par exemple, à 2 reprises. Sa sœur et les 2 siens, sa mère y est restée 1 semaine dans une suite royale. Tout frais payé. À compter d'aujourd'hui, il cesse le financement de la rénovation de l'appartement. Quoi? Comme ça, de quel droit? Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Vous avez accepté 1 million, vous en avez dépensé 3 et les travaux ne sont pas finis. Et dame de cœur, il est pour moi. Je suis maître. Bah, j'ai gagné. Tu peux pas accepter ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pas toi, ta tapette d'avocat, à quoi il joue? Hein? Tu le payes beaucoup trop. Je vais te dire ce que tu vas faire. Je le paye pas trop. Écoute-moi bien. Ou quoi? Tu vas lui dire de retourner au tribunal et d'exiger une injonction de payer. Me fais pas ch... Qu'est-ce que tu crois? C'est pas si facile. Fais ce que je te dis. Ce n'est pas si facile. Ouais, bien sûr. Du jour au lendemain, elle a voulu la garde exclusive. C'était le moyen de le faire payer. Mais le tribunal a ordonné une évaluation psychologique des 2 parents. Elle a fait tout ce qu'elle a pu pour essayer de les monter contre moi, mais je pense que malgré ça, ils savent que je les aime et qu'ils peuvent compter sur moi. Ils le détestent. Pire encore, ils en ont peur. C'est eux qui ne veulent plus le voir. Vous connaissez une mère qui ne se battrait pas pour avoir la garde exclusive? Je deviens fou quand je pense au temps qu'ils passent avec Pelosi. Comment vous dire, ça m'effraie de les savoir en permanence avec cet escroc notoire. Ils adorent Danny. Il l'aime. C'est normal, vu comme lui, il les aime. C'est le père qu'il leur aurait fallu. Bien sûr, je sais qu'ils ont besoin d'une thérapie, évidemment, mais j'aborde même plus le sujet avec Jenny Rosa parce que elle pique une crise. Oh, vous savez, c'est toute une démarche à avoir. Il faut rencontrer les psys, il faut avoir du temps. Ils vont à la danse, à l'école, voir du hockey. Je les occupe par de nombreuses activités. J'ai témoigné que les symptômes qu'elle présentait relevaient du domaine de la psychopathologie. À des niveaux de paranoïa et de narcissisme, oui, particulièrement élevés. Vous n'avez pas la garde exclusive. Pour l'instant, vous la partagez, 1 semaine lui, 1 semaine vous, jusqu'à ce qu'on parvienne à un accord. Non, c'est insensé, comment c'est possible? Le juge a pris sa décision à partir de l'évaluation psychologique qui a été faite. Dites-moi ce qu'elle a dit sur moi. Que vous êtes trop instable pour avoir seule la garde. Je suis trop instable. Non. Attends, c'est évident qu'il a graissé la patte à la psy, d'accord? Non. Il lui a simplement dit que je suis folle, ce salaud.
Il sait que ma mère était folle, il lui a raconté les problèmes de santé qu'elle a eus. C'est pas autre chose. Toujours est-il que le jugement a été prononcé, c'est ainsi. Oui, et pour l'argent, comment ça se passe? Le montant de sa fortune qu'il nous a présenté s'avère à peu de choses près exact. Il en cache. C'est clair, il en cache. Je vous ai prévenu, je vous ai dit qu'il essaierait de cacher des avoirs. C'est ce qu'il fait tout d'accord, le temps. Mais il en vit. C'est un menteur. S'il te plaît, combien? Il offre 25 millions de dollars et l'appartement. Il conserve la maison de East Hampton. Non. La maison d'Angleterre sera vendue, le produit de la vente divisé en Paris. Non, non, je n'accepterai jamais. Il cherche à me spolier. La maison d'East Hampton est à moi. C'est moi qui en ai fait ce qu'elle est. Je vous assure que c'est une offre excellente. Combien il vous offre à vous? Combien il vous offre? Hein? Voilà ce que vous allez lui dire. Vous allez lui dire que je refuse, que c'est inacceptable, que je ne marche pas dans cette combine. Il fait même venir une femme maintenant. Dans ma maison, dans ma chambre. Ça m'a surpris de ne pas le voir à la réunion du lundi matin. C'est seulement à la fin de la réunion que je me suis vraiment inquiété. Ted ! Ça ne ressemble pas à un cambriolage. Rien n'a été saccagé ou déplacé. Il est mort de violents coups à la tête, porté avec un objet contondant. L'heure du crime, pas facile à dire. Peut-être samedi soir. On peut constater que des traces de sang remontent d'en bas, vont sur la terrasse, dans une autre chambre et à la salle de bain. La victime a essayé de sortir de son lit. En effet, apparemment le meurtrier a pris une douche avant de partir. Je voudrais te montrer quelque chose. Le système de sécurité, ce qu'on fait de mieux. Vidéosurveillance. Ouais. 9 caméras. Hein? Et quelqu'un est venu. Il savait parfaitement où les trouver. Ouais. Qui a tué Ted Hammond? Rien n'a été volé, pas de traces d'effraction. Certains enquêteurs pensent que l'assassin connaissait bien l'homme d'affaires multimillionnaire. Quant aux voisins, ils ne comprennent pas qu'un meurtre ait pu être commis aux Hamptons. J'espère qu'on retrouvera l'assassin très vite. Je n'aime pas dormir les portes closes. C'est de toute évidence un crime passionnel. Je suis désolée de le dire, mais... je ne connais personne parmi les proches qui ne soit pas convaincu que c'est elle. Une question, s'il vous plaît. Monsieur Gordon, s'il vous plaît. Monsieur Gordon, une déclaration, s'il vous plaît. Madame Hammond a passé tout le week-end à Manhattan avec ses enfants. Ils ne sont pas sortis plus loin qu'en bas de chez eux. Écoutez, c'est une énorme perte. Un choc terrible pour les enfants, pour nous tous. C'était dans une procédure de divorce difficile, mais cela étant, Ted Hammond était un mari aimant et responsable. J'étais à un mariage ce week-end, celui de mon cousin. Vous pouvez demander à tout le monde. Madame Hammond fait de son mieux pour traverser tout ceci aussi dignement que possible. Vous allez entendre beaucoup de choses sur la mort de votre père. Il ne faudra pas les écouter. Tout ce que vous pourrez entendre à la télé ou lire dans les journaux, tout ce que les gens vous diront, ne seront que des mensonges. La préoccupation majeure de Madame Hammond est la protection de ses deux enfants. Des propos irresponsables et faux ont été rapportés par une partie de la presse. S'ils leur parviennent, ils ne feront qu'accroître leur peine et leur souffrance. Je vais vous dire la vérité. Il faut que vous sachiez. Votre père s'est suicidé. Il s'est donné la mort en prenant de l'alcool et des barbituriques. T'en es sûre? Évidemment, j'en suis sûre, Alexa. La police en est sûre. C'est quoi des barbituriques? Des barbituriques? Des calmants. Ce sont des médicaments, Grégory. Pourquoi il s'est tué, papa? Je ne sais pas, mon bébé. Je n'en ai aucune idée. Peut-être qu'on ne le saura jamais. Comment a-t-elle pu oser venir au crématorium? Elle a fait dire une messe privée pour elle et les enfants ce matin. J'étais extrêmement choquée de la voir partir.
Il s'avère que Ted vous lègue la totalité de sa fortune. Et... pourquoi il me lèguerait sa fortune? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Le testament est daté du 28 août 1998. Et il ne l'a jamais fait modifier? Apparemment pas. Le règlement du divorce n'ayant jamais été signé, vous étiez son épouse légitime au jour de sa mort. Toutes ses propriétés, tous ses avoirs financiers, sauf ce qu'il réserve aux enfants, bien sûr, vous reviennent en totalité. Et cette fortune, ça représente... Une somme colossale. Quelque chose comme 100 millions de dollars. Deux mois se sont déjà écoulés depuis le meurtre et toujours pas d'arrestation. Et pour cause, aucun suspect n'a pu être désigné pour l'instant. L'enquête se poursuit. D'autres investigations sont en cours. Je pense toutefois que les probabilités que le meurtrier soit un inconnu sont extrêmement faibles. Merci. Que voulez-vous dire? Voulez-vous dire qu'Amon connaissait son adversaire? Laisse tomber. Vas-y. Envoie. Ça tourne. 3, 2, 1. Tout comme la policière, l'avocate générale vient à l'instant de refuser de confirmer que Madame Generosa Amon ou que son ami Daniel Pelosi était suspecté, ce qui semble pourtant évident. Les avocats de Madame Amon insistent sur l'étroite coopération de leur cliente avec les enquêteurs. Mais des policiers auraient déclaré qu'elle aurait refusé de répondre à leurs questions immédiatement après le meurtre. C'est le plus dur dans ce métier, attendre. Ils vont sortir? Et toi, t'en penses quoi de cette histoire? Bonjour. Alors les enfants, prêts pour l'école? Je me sens pas très bien. Non, moi non plus. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je vois le problème. C'est ce guignol qui vous empêche d'aller à l'école. Pourquoi, ça t'étonne? Tu penses qu'on peut vivre de cette façon? C'est que des journalistes. Non, c'est pas les journalistes, c'est les élèves à l'école. Pourquoi? Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas important. Si, c'est important, dis-moi. Tu sais pas ce que c'est? On nous dit que des méchancetés. Des trucs sur toi et papa, c'est rien. Ils nous embêtent. Attends, attends. Et qu'est-ce qu'ils disent? C'est très bien, je vais appeler le directeur. Non, s'il te plaît, maman, l'appelle pas. Ça ferait qu'empirer les choses. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, défendez-vous. Il faut que vous leur fassiez comprendre qui vous êtes, mes petits loups. Danny. Non, non, s'il te plaît, je sais pas. Votre père vous a rien appris? Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Vous dites à tous vos potes les plus costauds de venir avec vous à la sortie. Et de... boum! Danny. Accompagne-les à l'école, tu veux? Maman, je vais pas... Non, elle a raison, bien sûr. C'est parti, ça va aller. Allez, hop, c'est parti. En route. Bonne journée. Salut, chérie. À tout à l'heure. Oui? Generosa, c'est Carrie. Qu'est-ce que tu veux? Je suis occupée. Je serai de passage à New York ce week-end et j'aurais voulu voir les enfants. Les emmener au restaurant. Mais d'où te vient cet intérêt soudain pour mes enfants? Tu ne t'es encore jamais souciée d'eux? Je me suis toujours souciée d'eux, naturellement. Je suis leur tante. Ce sont les enfants de mon frère. Il est mort, ton frère. Je crois que tu veux obtenir des renseignements. Voilà ce que je crois, Carrie. C'est la police qui te demande de faire ça, hein? Generosa, je sais que c'est difficile actuellement. C'est difficile pour moi aussi. Quoi que tu puisses penser de Ted ou de moi, ces deux enfants ont le droit de voir leur tante. Hé! C'est moi qui décide quels sont les droits et les obligations de mes enfants et moi seule! Les enfants sont à l'école, la femme de ménage est en course. Je veux partir. Nous sommes... déménagés en Grande-Bretagne. Quoi? Pourquoi faire? Y vivre. Y avoir une maison. Y avoir un endroit où vivre loin de cette faune-là. Oh, les enfants adorent y aller. C'est ce qu'on aime mieux faire. Tu m'emmènes moi aussi? Mais oui, je t'emmène toi aussi. Tu viens avec nous. Mais c'est quand même loin, ma puce. J'ai ma famille ici, j'ai mes enfants, mes amis. Et puis, il faut que je bosse, que je gagne ma croûte. Épouse-moi. Épouse-moi et tu n'auras plus jamais de soucis d'argent. Mais... tu es sérieuse? Danny, j'ai tant besoin que tu sois là. Moi, c'est pareil. Je serais rien sans toi. Ouais. Ouais. Oh. Oh, ce qui te rappelait. J'en ai pas cru mes oreilles. C'était trop énorme. Franchement, 3 mois à peine après le meurtre. Le lendemain du jour où notre divorce était prononcé, il se mariait avec elle.
faut croire que ça le démangeait. Elle se moquait du qu'en dira-t-on. Elle se moquait de ce que les enfants ressentaient. Et travaillez bien. Oui, Kay, à tout à l'heure. Et ensuite, votre cours de danse. Elle les emmena donc en Angleterre, soi-disant pour les soustraire à la presse. La police doit toujours désigner un nouveau suspect dans l'affaire du meurtre de Ted Amon. Mais les nouveaux mariés... Et maintenant, l'actualité internationale. Ta-da. Avec la dernière réunion au sommet du week-end dernier. Qu'est-ce que t'en dis? Ça en jette, hein? Regarde. On dirait que t'es né pour ça. J'aurais préféré que tu ne retournes pas à New York. J'y resterai qu'un jour ou deux. Ouais. Je n'ai aucune confiance ni en la justice, ni en la police. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont contre moi? Conduite en état d'ivresse? Et ce n'est qu'une audience. C'est de la rigolade, mon poussin. Non mais attends. Ça n'a aucun rapport avec... Enfin, strictement aucun rapport. Ils n'ont même pas de suspect. Ne t'attarde pas, d'accord? Mais mon poussin, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Il ne peut rien nous arriver à l'heure qu'il est et où nous sommes. Tu risques rien. Ne te fais pas souci. Monsieur Pelosi, s'il vous plaît, monsieur Pelosi, s'il vous plaît. Non, monsieur Pelosi, avez-vous quelque chose à voir, vous et votre femme, avec le meurtre? Vous me connaissez pas. Laissez-moi passer. Vous savez pas qui je suis. Vous me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Vous l'avez tué. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez tué Amon. Qu'est-ce que ça fait de dormir dans le lit d'un homme assassiné? Je vous le répéterai pas. Si vous me menacez, monsieur Pelosi. Je vous tue. Et maintenant, sortez de ma propriété, tous. Quoi? Vous pensez que vous irez en prison pour conduite en état d'ivresse? Cette audience n'est pas un prétexte pour vous faire revenir aux États-Unis. Que faisiez-vous sur Maiden Lane cette nuit-là? Comment se fait-il que, contrairement... Monsieur Pelosi dément catégoriquement être impliqué dans le meurtre. Que il a dû rentrer à New York, assister à l'audience où il avait été convoqué. Et en attendant que l'affaire soit jugée, n'ayant pas d'autre moyen de le retenir, le juge lui a confisqué son passeport pour l'empêcher de quitter le territoire. Ce qui l'a forcé, elle, bien sûr, à revenir. Dans la mesure où elle voulait être auprès de lui. Ce qui m'a le plus abasourdi, c'est qu'ils se sont tout de suite installés aux Hamptons. Comme s'il n'y avait jamais rien eu. Imaginez, ils ont dormi dans le lit même où Ted avait été assassiné. Moi, je ne pourrais pas. C'est... Et pensez un peu aux enfants. Si on tue votre père, vous n'avez plus envie d'aller dans la maison où il s'est fait tuer. Y habiter, en plus. Je ne pourrais pas. Vous bourrez pas avec ça, c'est pour les lapins, la salade. La viande va arriver. Et j'y pense, on pourrait peut-être avoir un bateau, qu'est-ce que vous en dites? Ça vous plairait? Ici, à quai, aux Hamptons, pour aller à la pêche. C'est pour vous, les enfants, si ça vous tente. C'est vrai? Ouais? Vous êtes jamais allé à la pêche? Une fois au coquillage. Au coquillage, c'est tout? T'es jamais allé à la pêche, Alexa? T'as jamais attaché de verre à l'hameçon? Un verre qui se tortille? C'est cuit. Tu ne parles pas beaucoup, ma chérie, ça va? J'ai un coup de fatigue, je m'allonge un instant. Ah, d'accord. Je vous apprendrai comment on pêche comme mon père m'a appris. Hein? Vous en dites quoi? Il est temps que vous viviez comme des enfants normaux. Dans les quartiers. Maman! Maman! Générosa! Maman, ça va? Laisse-la. Maman, appelle le docteur! La biopsie est maligne. Je voudrais tout de suite programmer une intervention. Nous devrons peut-être enlever la poitrine tout entière pour ne prendre aucun risque. Mais je ne le saurai que quand vous serez sur la table. Et généralement, on poursuit avec des rayons et de la chimio. Je vous laisse en parler une minute. Je reviens tout de suite. C'est Ted qui m'a fait ça. Toujours pas la moindre arrestation ni mise en accusation dans l'affaire Amon. Plus d'un an après les faits et après des mois de conjectures, le parquet s'est finalement résolu à désigner son principal suspect, Daniel Pelosi. Merci, Amanda.
Comme on pouvait s'y attendre, la réunion des pays les plus industrialisés s'est achevée ce week-end par un accord en forme de compromis. Elle m'a demandé de venir avant tout pour m'occuper des enfants. Tout de suite après le diagnostic, vous voyez. Elle s'inquiétait à l'idée qu'elle pourrait ne plus être capable de tenir sa maison. Le docteur a dit que la chirurgie suffirait pas, qu'il faudrait continuer par une chimio. Si je dois mourir, je voudrais pouvoir conserver un minimum de dignité. La dignité, tu parles, je veux que tu vives. Alors oui, tu vas perdre tes cheveux, et alors? Tu pourras mettre une perruque ou une casquette. Ne me dis pas qu'on a fait tout ce qu'on a fait pour te laisser partir comme ça. Écoute, si tu le fais pas pour toi, alors fais-le au moins pour Alexa et pour Grégory. Grégory et Alexa n'ont aucun souci à se faire. Ce qui veut dire? Que j'ai pris des dispositions pour leur avenir. Ça t'ennuierait pas de m'informer de ce qui se passe? Je suis ton mari, il me semble. Oui, tu es mon mari, mon trésor. Laisse-moi m'occuper des enfants si ça ne te fait rien. Et toi, occupe-toi de moi. Bien sûr. Entre juillet et avril, M. Pelosi a dépensé 2,5 millions de dollars de l'argent de sa femme. Alors je lui ai dit, tu risques pas de la ruiner à dépenser toujours autant. Il a dit, je pourrais jamais tout dépenser tellement il y en a, même si je voulais. Ouais, et il a essayé. Un peu, ouais, qu'il a essayé. Ouh. Eh ben, je suis claqué. Ah, t'es là, toute belle dans ton petit pyjama rose. Un peu fatiguée, peut-être. Toi aussi, non? Ouais, tu sais, nuit de folie à Las Vegas. J'ai une semaine très chargée. À dépenser mon argent. Ce qui est à toi est à moi et réciproquement, pas vrai? Tu sais, tu me trouves peut-être un peu rabat-joie ces temps-ci, mais je crois que tu pourrais de temps en temps t'occuper un peu de moi. Et dans ces occasions, faire en sorte d'éviter de rentrer bourré. Tu sais pas ce que c'est que d'avoir la justice qui veut te jeter en taule. Tu sais pas ce que c'est d'avoir un cancer. C'est vrai. Et je voulais aussi te demander ce que c'était que cette voiture que tu as offerte à Danny Junior. Ouais. Eh ben. Tu ne lui en as pas payé une neuve le mois dernier? Détruite. Il l'a détruite. Et c'est quoi ce bateau? C'est pour quoi faire? Qui va s'en servir? C'est pour nous. Ouais, pour nous. Pour les enfants. Je vous ai promis de vous emmener faire de la voile et il n'y a pas de problème. Je vais... Tu crois que je suis en état de monter à bord d'un voilier, Danny? Hein? Hein? Tu crois? Écoute-moi. Tu crois? Écoute-moi. Tu as peut-être renoncé à ton avenir, moi pas. C'est pas fini. On va la voir, cette saleté. On s'allongera pas. Jamais. C'est une curieuse façon de le dire. Tu comprends ce que je te dis? On s'allongera pas. Non, elle ne l'aimait pas, non. Ça, je vous le dis comme je le pense. Elle l'a utilisé pour espionner son mari. S'il l'aimait? Je sais pas, oui, peut-être. S'il l'aurait épousé sans son fric. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Pourquoi elle a épousé cet escroc? Ça, j'en sais rien. Mais j'ai pas de raison de m'en plaindre. Tous les mois, je touche ma pension alimentaire. Le procureur demande un enferme. Quoi? Tu te fiches de moi? Un enferme pour ça? Un problème, Danny. Quoi, je le juge pas... ne fera rien pour toi. Il va te coller la plus lourde peine. Non, un an, c'est impossible. Tu leur as dit pour Generosa? Oui, bien sûr. J'ai demandé un délai d'application de la peine pour que tu puisses rester auprès d'elle. La demande est rejetée. Rejetée? Alors dans ce cas, tu jettes à fond la carte de l'apitoiement. Tu le pourris. Tu vas à fond. Il peut pas faire ça, tu m'entends? Oui, oui, très bien. Prison. Si jamais l'état de Madame Pelosi devenait critique pendant ton incarcération, il a dit qu'il envisagerait une libération anticipée. Et il le fera, son état devenait... Je t'en tiens pas. C'est un mec qui a toujours été là pour les siens. Très fidèle. Il y en avait toujours un qui avait un toit à refaire, une moquette à changer, des meubles. Je pouvais dire non à personne. Du jour où il l'a rencontré, il nous a plus rien laissé payer. On est allé à Atlantic City, Las Vegas. Il a payé les billets d'avion, l'hôtel, tous les repas. Il nous a même donné de l'argent pour jouer. Ouais.
Il a eu une libération anticipée de 4 mois pour bonne conduite. Il m'a demandé de le ramener. Generosa, c'était la fin. Allô, voilà, Monsieur Pelosi, s'il vous plaît. Juste votre nom. Attention, s'il vous plaît. L'ordinateur portable, c'est moi. L'ordinateur portable qui a disparu. Attendez, Monsieur Pelosi. S'il vous plaît. Désolé, excusez-moi. Attendez. S'il vous plaît. Monsieur. Oui. Comment vous vous appelez? Artie Rubino. R-U-B-I-N-O. Bienvenue chez vous, Monsieur Pelosi. Merci. Où est Generosa? Dans sa chambre, elle dort. Oh, je vois ce que c'est. Je monte la voir et je redescends. Je n'en préférerais pas. Elle a besoin de se reposer. Ah, vous savez, je n'ai pas vu depuis 4 mois. Je vais juste m'asseoir et lui parler. J'ai pas l'intention de lui sauter dessus. Je vous ai préparé la chambre d'amis. Vous me direz si quelque chose vous manque? Pourquoi la chambre d'amis? Pour quelle raison? Elle dort dans un lit d'hôpital, c'est trop petit pour deux. C'était pas votre chambre avant? Actuellement, je dors dans la chambre de Madame Amon dans un lit de camp au cas où elle aurait besoin de moi. Madame Pelosi? Oui, c'est exact. Oui. Alors vous avez pris le pouvoir ici? Une simple nécessité. Je suis toujours chez moi, vous savez. Et Generosa est toujours ma femme. J'essaierai de m'en souvenir. Essayez de réussir. Ou vous repartirez en Angleterre manger du fish and chips. Peut-être que ce genre de menace est efficace dans le milieu carcéral, Monsieur Pelosi, et pas avec moi. Vous croyez que je vous menaçais? Ne me cherchez pas si vous voulez pas faire une mauvaise rencontre avec un objet contondant. Tu rentres à la maison? Ah oui, je viens juste d'arriver. Il ne fallait pas vous lever, voyons. Ah, je crois qu'elle a raison sur ce point. Je t'aide à remonter dans ta chambre. Je veux que ce soit Kay qui m'aide. Tout de suite, je viens. Venez avec moi, venez. Là, oui. Elle l'a fichue dehors. Elle voulait mourir seule, je crois. Elle avait fait le vide autour d'elle. Plus de Ted, de Danny ou d'amis. Rien qu'elle, ses enfants et la gouvernante. Il faut que je vous parle d'après, quand je serai partie. Il faudra que vous soyez fort pour moi. Il faudra que vous soyez fort l'un pour l'autre. Vous pourrez? Ouais. J'en ai parlé à Kay. Elle accepte de s'occuper de vous et elle sera votre tutrice quand je ne serai plus là. Maman, pourquoi? Attendez, s'il vous plaît, elle s'est toujours montrée très bonne avec nous. Et elle vous aime, tous les deux. Et pourquoi pas Dani? Pas vivre avec Dani? Non. Il faut le laisser suivre sa route. Votre mère sait que vous êtes là? Non. Et avec qui, ça va? Oh, elle nous déteste. Elle déteste tous les enfants. Elle est méchante. C'est quelqu'un à qui tu peux rien dire, même de gentil. Elle va s'en servir contre toi. Vous savez combien je vous aime tous les deux. Je vais en parler à votre mère. Jane, écoute, je crois que c'est à moi de les élever. Toi, élever mes enfants? Il faudrait vraiment que je sois folle. C'est pas juste. Je mérite mieux que ça. Avec tout ce que j'ai fait pour toi? Comment peux-tu oser me dire ça? Comment peux-tu oser? Voulez-vous m'envoyer votre facture, monsieur l'électricien? Oh, attends. Sois un peu raisonnable, mon poussin. Tu as besoin de moi. C'est toi-même qui me l'as dit. C'est pas vrai? Je peux t'aider. Tu le sais. Il n'y a plus rien qu'on puisse faire pour moi, Danny. C'est fini, on a tout essayé. Enfin, Jane, tu peux pas me jeter comme ça. Après tout ce qu'on a vécu ensemble. C'est fini, je n'ai plus rien à te dire.
Alors, si tu veux bien m'excuser, je dois préparer mes funérailles. Meurtre de Ted Hammond. La tante des jumeaux Alexa et Gregory a demandé la garde de ses neveux et nièces à l'administration du comté de Suffolk. Son argument principal est le suivant, je cite, « Generosa Hammond, cancéreuse en phase terminale, souffre de troubles mentaux d'ordre paranoïaque. » Je ne fais que ce qui me semble être le mieux pour eux. Je me fais énormément de soucis pour leur avenir. Et je crois que mon mari et moi pouvons leur offrir un environnement familial sûr, chaleureux et aimant. Quand une mère est souffrante, on ne lui enlève pas ses enfants. Que l'opprobre soit sur vous, Madame Wilder. Dans sa demande, elle n'accuse pas Generosa Hammond du meurtre du père de ses enfants, mais précise toutefois que Generosa et Danny Pelosi ne sont toujours pas écartés de la liste des suspects. Qu'est-ce que vous croyez? Que vous pouvez vous offrir mon silence pour deux misérables millions? Ça marche pas. Generosa est actuellement en train de refaire son testament. Elle pourrait vous en exclure totalement. Je vous crois pas. Pourquoi je vous croirais? Vous êtes son avocat. Elle ne ferait pas ça à moi. Vous pouvez tenter votre chance au tribunal. Ou avoir 2 millions tout de suite. À vous de décider. Ouais. 2 millions. Daniel, personne ne sait combien de temps il lui reste à vivre. Si vous êtes accusé du meurtre, vous aurez besoin d'argent pour un avocat. Ces 2 millions seraient sûrement très utiles. Admettons que je signe. Admettons. Quand est-ce que j'aurai le blé ? Vous pouvez l'avoir cet après-midi. 2 minutes. Madame Pelosi, nous vous garantissons que rien de ce que vous pourrez nous révéler ne sera utilisé contre vous. C'est une offre très sérieuse, Generosa. C'est une possibilité qui vous est donnée si vous avez quelque chose à dire. Vous voudriez que je dise que j'ai tué mon mari? Ted a mérité ce qui lui est arrivé. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Elle est tombée dans le coma la nuit même. Heureusement, les enfants étaient là quand elle est morte. Danny n'était pas dans le testament. Qu'est-ce que vous dites de ça? Kay, la gouvernante, a eu la garde des enfants, 1 million de dollars, et la maison des Stanton en usufruit jusqu'à la fin de ses jours. Je serais pas là. C'est un endroit public. C'était ma femme. On l'oublie parfois un peu vite. Ouais, vous savez, je respecte ses dernières volontés. Je ne fais que ça. Je l'ai rencontrée ici. Elle a pris un Cosmo et moi une bière. Je lui ai promis que je lui offrirais ce dernier verre. Vous voulez prendre une photo? Tenez, le voici. Avec les deux choses qu'il aime le plus au monde. Lui-même et l'alcool. Envoyez le tapis rouge, majordome, s'il vous plaît, pour ma reine. Hop là, attention. Quelle belle alliance, cette mariée! Daniel Pelosi, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Theodore Hammond.
Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Allez, emmenez-le. Embrasse-moi. En voiture. Vraiment désolé, mais t'en fais pas, mon poussin. Ça va aller, hein? Écoute, écoute. On va se retrouver très vite, hein? T'entends? Ensemble, toi et moi. Ouais, en réalité, quelles preuves ils avaient? À ce que je sais, pratiquement aucune. Pas d'aveu, pas de témoin, pas d'armes du crime. Rien qui permette d'affirmer que Daniel Pelosi est le meurtrier. Il faisait partie du petit nombre de personnes qui avaient accès au système d'alarme. Mais impossible de remettre la main sur ce portable. C'était pourquoi? Pour l'espionner quand il était chez lui? On ne l'a jamais su. Je crois savoir que ce portable a brûlé dans un incendie. C'est ce que l'on m'a dit et je n'ai pas de raison d'en douter. Il voulait avoir un petit mémorial dédié à leur mère. Je n'y ai pas vu de mal. Oui, j'écris aux enfants. Je les appelle quand je peux. Et je leur raconte quel homme merveilleux était leur père. C'est important qu'ils le sachent. J'ai fait de mon mieux avec eux, mais les garçons et les filles sont différents. Les garçons sont tellement plus difficiles. Je vieillis, c'est dur pour une femme. C'est un bon pensionnat dans le New Hampshire. Un des meilleurs, m'a-t-on dit. Assez strict. Qui aurait énormément plu à sa mère. Au revoir. J'essaie toujours d'obtenir la garde, mais c'est difficile. D'aller contre la volonté d'une mère, je le découvre. Même après sa mort.